il n'aurait pas été contre l'idée de trinquer avec ses convives. Ce jeudi 9 mars, Yann Barthès a reçu deux invités de prestige sur le plateau de son émission Quotidien, diffusée sur TMC. Le présentateur a eu le plaisir d'échanger avec l'acteur Keanu Reeves et sa doublure Chad Stahelski pour la promotion du quatrième volet de John Wick, attendu dans les salles obscures le 22 mars prochain. Une saga que Yann Barthès semble affectionner tout particulièrement. En effet, le journaliste n'a pu s'empêcher de leur demander si un nouveau film était prévu. Donc là, vous allez signer un John Wick V, a-t-il tenté de les amadouer en leur tendant une bouteille de whisky et en remplissant deux verres. Une petite attention qui a ravi le compagnon d'Alexandra Grant qui l'a gratifié d'un merci très enthousiaste. Je rappelle qu'il est important de boire avec modération, a lâché Yann Barthès en voyant Keanu Reeves approcher le verre de son visage pour sentir tous les arômes de ce breuvage. Dès lors, le chef d'orchestre du talk show a souhaité savoir si ce spiritueux convenait à l'acteur de 58 ans et à sa doublure. Dites-nous, il vous va? Il est bon? S'est-il soucié? Avant d'avouer un brin déçu de ne pouvoir profiter de cette dégustation avec les deux hommes, nous, on n'a pas le droit de boire mais vous oui. Ni une, ni deux, le duo a donc bu quelques gorgées de cet alcool fort. Supérieur à Keanu Reeves présente Alexandra Grant, sa nouvelle petite amie Yann Barthès, son verre de l'amitié choque les internautes si Yann Barthès s'est permis de proposer deux verres de whisky à ses deux invités, cela n'était pas anodin. En effet, Chad Stahelski et Keanu Reeves trouvent bien souvent les idées du prochain volet de John Wick en partageant ce spiritueux. Dès lors, le duo a apprécié le petit clin d'œil de leur hôte. Cependant, il en est tout autre pour certaines internautes. Après cette séance, ces derniers choqués se sont emparés du réseau social à l'oiseau bleu pour partager leur indignation. Il sort le whisky normal lui, il ne faut pas boire avec modération. L'alcool tue. Il ne faut pas boire d'alcool. Lamentable de dire ça Barthès, ou encore il file du whisky en plateau aux invités maintenant, peut-on lire dans des commentaires. D'autres ont fait part de leur étonnement en se remémorant une séquence au cours de laquelle le présentateur avait refusé de fumer une cigarette avec Catherine Deneuve lors d'une précédente émission. Cette scène a clairement créé un scandale et a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Espérons que cela ne nuira pas à la promotion de John Wick 4. Crédit photo, capture d'écran quotidien, TMC.